Les enfants ne veulent pas partager le jouet. Ça suffit. Hein? Je m'en vais et j'emporte ce jouet avec moi. Au revoir, mes chéris. Prenez soin de vous et écoutez votre nounou. Super, vous êtes là. Venez rencontrer mes enfants. Bonjour, les enfants. Je suis votre nouvelle nounou. Elle va s'occuper de vous. Soyez sages. Ravie de vous rencontrer, les enfants. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Où sont les enfants? Oh non, la cuisine! Je fais le ménage! Oh, ouf! Quelle gentille fille! Et toi aussi, tu travailles dur, hein? Tu laves un portable? Où est mon... C'est mon téléphone! Oh là là! Il est trempé! J'ai un vilain garçon et une petite fille sage! Oh non! Le monstre va attraper la petite fille! Hein? Nounou est là! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un monstre sous mon lit! Laisse-moi vérifier! Ce n'est que ton frère! Arrête de faire peur à ta sœur, jeune homme! Retourne dans ta chambre! Quel rabat-joie! Regarde ces lampes toutes mignonnes! C'est tout mou! Ça m'aide à me calmer! Moi aussi, j'adore les squishies! Je vais en mettre partout dans ta chambre! Maintenant, tu peux t'endormir avec une armée de squishies qui te protège. Et je vais aussi te lire une histoire. C'est quoi ce bruit? Je crois que ça vient de sous mon lit. Et si c'était un monstre? Qu'est-ce qui se passe dans sa chambre? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que j'y aille. Tu es réveillée? Ce monstre joue avec le vilain garçon. Qu'est-ce que tu veux? Oups, désolée. C'est l'heure du goûter. Ces bonbons sont trop bons. Regarde ça. Hein? Ce n'est pas de la nourriture saine. Fini les bonbons. Vous devriez plutôt manger des brocolis. J'adore les brocolis. Burk, non merci. Mais il faut manger sainement. Non, je crois que c'est plutôt mon ours qui va manger ça. Non, regarde l'état de ton ours. Tu en mets partout. Laisse-moi l'essuyer. Arrête et donne-moi ça. Je vais verser les légumes dans un bol spécial pour qu'ils ne puissent pas les renverser. Allez, mange. Non. Ah, pourquoi ça ne se renverse pas? Maintenant, ouvre. J'ai dit ouvre. J'ai fini de manger. Nounou, j'ai aussi fait la vaisselle. Très bien, tu mérites un bon dessert. C'est tellement sucré. Je t'ai dit d'ouvrir la bouche. Attends un peu. De la gelée et des légumes? J'ai une idée, je reviens tout de suite. Hein? Je vais mettre ce chou-fleur dans un bocal. Ensuite, je vais ajouter de la gelée. Enfin, je vais mettre une étiquette dessus. On dirait un cerveau dans un bocal, non? Tu peux manger ça à la place. Burk! C'est de la cervelle! Il faut que je goûte! C'est génial! Je vais savourer chaque bouchée. Je savais que c'était une astuce géniale. Oh non! Les pieds du vilain garçon tachent les draps. Oui, oui, oui! Pendant ce temps, la fille sage s'offre une journée au spa. Nounou est là. Quoi? Regarde le lit. Descends de ce lit tout de suite. Je ne veux pas. Viens ici. Arrête de courir. Tu mets de la boue partout. Attention. Hein? Je l'ai. Bien joué. Viens ici. Nous allons te laver les pieds. Non, le spa c'est pour les filles. Mets tes pieds. Oh là là, il va falloir changer ça. Tes pieds ont transformé l'eau en marécage. Je ne l'utiliserai plus jamais. Je m'en vais. Très bien, vas-y, mais ne te salis pas. Oh non, je suis désolée. Voici des bottines pour la remplacer. Wow! C'est chic, non? Trempe tes pieds dans du spray à l'instant. Ok, c'est bon.
Waouh, si propre et si soyeux. Regarde nos adorables poissons. Hey, qu'est-ce que tu fais? Où emmènes-tu les poissons? Je les emmène juste en excursion. Sauvé par la chaussure. Il a failli aller dans les toilettes. C'est bon, petit poisson, tu es en sécurité. Heureusement que Nounou est là. Bon, remettons ce poisson avec son ami. Merci, Nounou. Nounou et les enfants sont au parc. Je savoure ma sucette. On s'ennuie, hein? Regarde les aisselles poilues de ce type. J'ai un plan. Apparemment, on peut se servir de sucette pour épiler les aisselles. Je tente. On dirait que ça marche. Voilà ta sucette. Elle est dégoûtante maintenant. Fais voir. Burk, on va la jeter. J'ai une autre sucette. Et ce pistolet porte-sucette. Mets-le dedans. Quoi? Bon appétit! Ouah, c'est trop cool! Et moi alors? Problème résolu. C'est l'anniversaire de la petite fille. Attends, tu ne peux pas encore le manger. Je dois allumer les bougies pour que ta sœur puisse faire un vœu et les souffler. Vas-y! Un vœu? C'est si long! Je vais le faire! C'est fait! Mangeons le gâteau maintenant! Mais je voulais les souffler! Laisse ta sœur le faire. Essayons encore une fois. Ok, fais un vœu. Ça prend trop de temps. Alors je vais encore les souffler. Arrête! Quoi? Tu n'es pas drôle. Et tu es un très mauvais garçon. Sois sage, d'accord? J'ai une idée. Je vais utiliser un sèche-cheveux pour souffler sur le gâteau. Oh non! Je pourrais utiliser l'assiette à cupcake. J'ai couvert le sèche-cheveux juste à temps. Tu es une vraie rabat-joie. Donne-moi ce sèche-cheveux et ne bouge pas de ta chaise. Quel vœu pourrais-je faire? Je ne sais pas. Ah ah! Un souffleur de feuilles! C'est trop puissant! Je ferais mieux de le débrancher. Ouf! Je vais mettre un cache-prise pour qu'il ne puisse pas le rebrancher. Me revoilà! A-t-elle fait son vœu? J'ai trouvé mon vœu! Ouais! Enfin! J'avais peur qu'on s'en croûte. Prends du gâteau! Merci, je suppose. Cette fête n'est pas mal, en fait. Mangeons une pomme. J'ai mal aux dents! C'est bon, ça va! Ta dent est tombée! Laisse-moi voir! Oh non! Il faut que tu te brosses les dents! Je ne veux pas! Qu'est-ce qu'on fait? Un chien? Ok, ça m'a donné une idée. On va utiliser ce bouchon pour faire sortir le dentifrice. Regarde ça! Le chien fait caca sur ta brosse à dents! C'est trop drôle! Bon, je vais me brosser les dents maintenant. C'est dégoûtant! Fini! Nounou est un vrai génie! Bon travail! La petite fille sage nettoie son côté de la pièce toute seule. Merci d'être une fille indépendante. Pendant ce temps, le côté de ce vilain garçon est en désordre. Brrr, j'ai une énorme crotte de nez. Je vais l'essuyer avec mes draps. Tu es vraiment dégoûtant. Lève-toi et nettoie ta chambre. Non, je ne veux pas. Stupide balai. Pas de balai, pas de ménage. Prends ça. Je mange des chips quand je veux et je vais salir le sol. Tu me donnes mal à la tête. Oh non! Il faut que j'aide Nounou. Je vais chercher le balai et mon petit camion. Je vais placer le balai devant le camion et mettre Barbie dessus. Maintenant, je peux balayer simplement en utilisant une télécommande. Je peux même m'amuser en même temps. Bien joué, Barbie! Et la saleté sur les draps?
Je reviens tout de suite. Tu veux une morve géante? Berk. En fait, c'est juste du slim pour ramasser la saleté. Les miettes collent au slim. J'ai récupéré toute la saleté. Facile. Enfin, tout a disparu. Mais je dois encore changer les draps. Nous avons bien travaillé. Quelle équipe! Et toi, tu devrais commencer à dépoussiérer tes étagères. Ouais. Oh oh, que va-t-il faire à sa sœur? Ses écouteurs ont vraiment besoin d'une coupe. Ma musique! Ça suffit! Nounou est là pour sauver la situation. Plus d'outils tranchants, jeune homme. Ne t'inquiète pas, voici de nouveaux AirPods avec un étui Nutella. C'est trop mignon! Sympa, non? Et toi, jeune homme, fais une coupe à ce jouet. D'accord, je vais essayer. Waouh, ce jouet est top! Je suis la meilleure! Les enfants, venez ici et mangez une pomme. Hein? Regardez vos mains sales! Arrêtez! Quoi? Regardons-la de plus près. Tu vois, il y a des microbes qui rampent sur tes mains. Ne touchez pas à la nourriture avant de vous être lavé les mains avec du savon. Je déteste le savon. Je reviens tout de suite. Regarde, c'est comme ça qu'on se lave les mains avec du savon. C'est si facile. Les mains sont propres. Je ne veux pas me laver les mains. Des beignets. J'en veux un. Mais mes mains sales. Tant pis. Beignet, tu es à moi. Oh oh, je l'ai fait tomber. Il est encore bon à manger. Aïe, j'ai mal au ventre. Que s'est-il passé? Tu as mangé avec les mains sales? Alors tu es probablement malade. Qu'est-ce qu'on va faire? Du savon pour les pieds? J'ai une idée. Je vais les appeler. Je voudrais passer une commande, s'il vous plaît. J'ai reçu le colis. Tada! Un savon pour les pieds! C'est trop cool! Enfin, le problème est résolu. C'est plus amusant de me laver les mains avec ça. C'est fait! Les mains sont parfaitement propres. On dirait que les filles mijotent quelque chose. Miam! J'ai toujours voulu manger du rouge à lèvres! Waouh! On dirait de la pâte à modeler! Parfait! Remettons ça à sa place. Vite, cache-toi! Je vais me mettre du rouge à lèvres. Mais pourquoi c'est tout écrasé, ça? Ils sont tous les deux détruits? Qui a fait ça? Je crois qu'on a trouvé les coupables. Les filles vont-elles se faire disputer? C'était une édition limitée! Une seconde, je sais! Majordome! N'en dites pas plus, madame. Voici un rouge à lèvres au chocolat géant. Prêt à être mangé! Miam! C'est trop bon! Oh là là! Moi aussi, je suis bouche bée. Tu veux du rouge à lèvres? Je sais! Moi aussi, je peux en fabriquer. Rien de plus simple avec de l'adhésif double face. J'en découpe un bout et je le colorie en rouge. Puis, je le roule. Ensuite, je fais un plus grand rouleau noir. Je glisse le rouleau rouge à l'intérieur du noir. Et voilà! Un rouge à lèvres aussi vrai que nature. Quant à la fille riche, tout ce sucre lui a donné mal au ventre. Si mal qu'elle a besoin d'un médecin. Eh bien, c'est embarrassant. Cette Barbie conduit comme une pro. Et elle ne sait pas éviter les squishies. Encore, Mia! J'ai écrasé un squishy! Aucun problème! En voici plein d'autres! Super, je les veux tous! Chute de squishies! C'est trop bien! Je peux détruire tout ça? Hé! Hey, c'est quoi? Oh, j'aimerais bien avoir des squishies! Oh, ma chérie, ne sois pas triste! Je sais! D'abord, je plie un bout d'adhésif double face en deux. Puis, je mets ces orbes dans une seringue.
Ensuite, je les transfère dans l'adhésif et je le remplis. Et notre squishy est prêt. Tiens. Waouh, c'est génial! J'adore ce squishy! Des fruits? Burk, pas question! Mais il te faut des vitamines! Ah ouais! C'est vrai, je sais quoi faire! Ce petit spray! Il me faut juste une pastèque. Je rentre le spray dedans. Et je fais pchit! Plus il y a de fruits, mieux c'est! Alors je prends cette orange et je fais pareil. Tiens, ma chérie! Oh, c'est rigolo! Je vais goûter l'orange aussi. Pas mal! Super, maintenant débarrassons-nous de ces chips. Oh, c'est quoi? Un tube de Pringles? Oh non, il est vide! Mais il pourrait peut-être nous servir. Je rentre le tube dans le milieu de la pastèque. Quand je le retire, j'obtiens la meilleure partie de la pastèque. On coupe tout ça et ça nous fait des bâtonnets de pastèque. Parfait pour une journée ensoleillée. Juteux et délicieux. Waouh, j'ai trop hâte de goûter. Si sucré. Une veillée autour du feu de camp, avant que le cauchemar commence. Un monstre vert de terre? Ah, je t'ai eu. C'était juste un bonbon géant. Voici ta friandise, Mia. Trop bon! Sérieux? Moi aussi, je veux un bonbon géant! Quoi? Un bonbon géant? Mais je n'ai que du lait. Une seconde, j'ai une idée! D'abord, je verse le lait dans un ramequin. Puis, j'y ajoute de la gélatine. Et du colorant alimentaire. Je mélange le tout et je mets ça dans un verre. N'oublions pas les pailles. On laisse durcir et on appuie sur les pailles pour faire sortir les verres. Plutôt cool, non? Tiens, ma chérie. Pas mal, mais peut mieux faire. Encore des friandises. Ce sont des Oreos cette fois. Trop bien cette nuit en camping. Oh, c'est pas vrai. Ma fille est encore plus jalouse. Un pot? Que fabrique la maman pauvre maintenant? Je vais remplacer le terreau par des biscuits écrasés. Comme ça. Ensuite, je place les verres par-dessus. La meilleure de toutes les friandises. Tiens, c'est pas mal ça, pas vrai? Voyons. Waouh, c'est délicieux! J'en veux d'autres! Meilleure friandise du monde! Elle mange des vers de terre? C'est l'heure de notre manicure! Je m'ennuie! Oh, un moment, mademoiselle! Oh, il a laissé le vernis! C'est ma chance! Je vais m'entraîner! Heureusement que maman riche est concentrée sur le magazine! Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que j'ai mis la main dans un pot de moutarde! Donne-moi ça! Regarde ce que t'as fait! Oh! Je dois arrêter ces cris! Une minute! C'est une main en plastique, ça! Regarde, tu peux t'entraîner sur cette main! Essaie de vernir les ongles et pas les doigts! Je suis jalouse! Voyons ce que je peux faire, ma chérie! Me reste-t-il de l'argent? Je ne pense pas qu'un centime soit assez. Ok, me revoilà avec un outil spécial, il vient d'arriver. Je vais jeter la boîte. Et qui trouve garde? Un carton. J'ai une idée. Je commence par tracer la forme de ma main sur le carton. Et je fais des petits trous au bout des doigts. Ensuite, je coupe un bout de papier en bande. Le papier va dans les trous. Et on attache l'excédent à l'arrière de la main. Voilà! Une main faite maison. Wow. Tu peux lui couper les ongles et les vernir. Utilisons tes feutres. Je vais utiliser plusieurs couleurs. Waouh, tu peux même les faire pousser. Et les recouper. Pas besoin de trucs sophistiqués pour que ça marche. Il faut que je l'attrape. Waouh, même les crottes de nez de la fille riche sont luxueuses. Je vais essayer. Burk, c'est juste de la morve normale.
Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Burk Mia! Heureusement que j'ai un petit billet pour te nettoyer. Tiens, joue avec ça. Waouh! Regarde toute cette morve! Moi aussi, je veux jouer! Non, tu ne touches pas! Eh, ne sois pas triste, ma chérie. Méchante! Voyons une seconde. Regarde, cette peluche Peppa toute déchirée. On va commencer par lui enlever le nez et y attacher un élastique. Comme ceci. Ensuite, je remplis un sac transparent avec du slime. Je le referme. On dirait un squishy. Et je le mets dans le nez. Regarde, la morve sort du nez. Toute gluante. J'ai un nez de cochon. Waouh, regarde toute cette morve. C'est dégoûtant. Waouh, oui. J'adore, maman. Jouer aux jeux vidéo en mangeant, c'est naturel. Mais regardez-moi ces saletés. Oh là là. Oh, Mia. Oh non, vite. Il faut nettoyer ça. Heureusement que j'ai cette mini souffleuse. Tiens, ma chérie, sers-toi de ça. C'est la tempête. Là, sur le clavier. Aïe, aïe, aïe. Je peux souffler toutes les miettes. Waouh, mon clavier est comme neuf. Parfait. Maintenant, je recommence. Quoi? Ah, lui. Regarde ces saletés. Oh, ne t'inquiète pas, maman. Je m'en charge. Ça ne va pas le faire. Il faut faire quelque chose. Hé, je sais. Tous ces trucs gluants sous ma chaise peuvent nous servir. Je fais une boule. Ok, c'est bon. Ça colle tellement que ça va enlever toutes les miettes. On soulève doucement. Et voilà, plus de miettes. Impeccable. Check, maman. Yes, le slime marche à tous les coups. C'est toujours sympa d'éclater des boutons. J'en ai marre, j'ai plus de boutons à éclater. Hein? Un énorme bouton sur le front de maman? Oh! Accroche-toi, bouton. Mia à l'attaque. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire à mon visage, Mia? Attends que je regarde. Ok, prends ça à la place. Waouh! J'ai trop hâte d'essayer ce jouet. En attendant, il faut que je couvre ce bouton avec du maquillage. Essayons ce jouet. Je vais l'épiler. C'est génial! Yes! J'ai enfin attrapé la souris. Maintenant le pain. Ah ah! Un sandwich à la souris pour le déjeuner. Non, je veux ce jouet. Oh, Hailey. Voyons ce que je peux faire. Une bouche pour s'entraîner au maquillage? Je sais. Je reviens tout de suite. Je la prends. Merci. Maintenant, j'enlève le rouge à lèvres et j'ajoute des poils. Je me sers d'un fil très fin. Je le coupe bien court. C'est parfait pour mon mi-long legs. Ensuite, je remplis ces ballons avec du faux pu. Je ne pense pas que mon mi-long legs soit très satisfaite de ces changements esthétiques. Tiens, ma chérie, amuse-toi. Waouh, ça a l'air super! Commençons par les poils. N'oublie pas d'éclater les boutons aussi. Génial! Oh mince! Le pu a atterri directement sur la maman riche. Toi! Désolée, maman riche. Prête pour ton vaccin? Le médecin fait peur à Molly. Je prends laquelle? Ah! La seringue géante. Non! Ça fait trop peur! Prête? Ah! C'est parti! Non! Où vas-tu? Au secours, au secours! Une minute. Comme ça, tu ne pourras plus t'échapper. Laissez-moi partir! Qu'est-ce que vous lui faites? Laissez-la partir! Donnez-moi ça! Ça te fait peur? Mais c'est une licorne, ça! Je vais transformer ça en une seringue licorne. C'est trop mignon. Plus du tout effrayant, même avec une aiguille.
Regarde, cette licorne veut te faire un bisou. Waouh. Fini. Tu mérites un check pour avoir été si courageuse. C'est nul, les licornes. Oh, ça pique. C'est l'heure de dormir. Ou des friandises pour Molly. Waouh, regardez cette gélatine au coca. Miam, si sucrée. Trop bon. Molly? Qu'as-tu fait à tes dents? Il faut les brosser immédiatement. Non, merci. Tu as de jolies brosses à dents. Regarde. J'en veux pas. Comment la convaincre? Oh, j'avais oublié que j'avais ce bouchon Shrek. Shrek? Oui, il va sortir du dentifrice pour toi. Il faut que tu essayes. Non. Oh là là, mais comment faire? Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Ok. Regarde. Une pastèque avec des dents? Qu'est-ce que c'est? Madame Pastèque a une carie. Je vais donc lui injecter du produit dégoûtant dans les gencives. Puis il faut lui arracher la dent avec cette énorme pince. Non! Tu veux qu'il t'arrive la même chose? Non! Donnez-moi la brosse à dents! Pas mal l'astuce, docteur. Je ne veux pas perdre de dents. Hein? C'est quoi ce bruit? Oh oh! Et si c'était un monstre sous le lit? Il y a quelque chose qui bouge! Qu'est-ce que... J'ai si peur! Mais il faut que je voie! Oh! Au secours! Ok, quel est le problème? Les échardes? Ça fait mal! Oh là là, un hérisson! Il s'est perdu! Des piquants! Je ne pense pas qu'on puisse raser! On va les retirer avec une pince! Ça me fait peur! Oh! J'en ai un! C'est trop de travail comme ça! Aha! Stop! Pourquoi avez-vous ici? Partez! Oh, ma pauvre petite! Il nous faut un kit de premier secours! Une seringue, pour être précise! Je vais m'en servir pour pomper les piquants! Waouh, je sens rien! Ça fait pas mal! Encore quelques-uns! Je les ai tous eus. Waouh, vous êtes génial, docteur. Mes mains peuvent faire un check maintenant. Yes. Check. C'est moi, Mario. Je vais monter attaquer Bowser. J'arrive, sale tortue. Waouh, quelqu'un est d'humeur à danser. Oh non. Ma tour Lego. Molly a avalé un Lego. Ouais. Oh oh, le méchant docteur est préoccupé par sa chorégraphie. Que se passe-t-il? Oh non! Recrache, Molly! Tu vas y arriver. Bravo. Berk, c'est dégoûtant. Attends, j'ai une idée. Un moule Lego? Je remplis le moule de chocolat à la myrtille. Quand j'ai fini, je les laisse refroidir et durcir. Le chocolat Lego est prêt. Waouh, on dirait des vrais Lego. Le meilleur, c'est qu'on peut les manger. Je peux jouer avec en plus. Oh, j'ai faim. Je vais en prendre un bout. Le meilleur chocolat Lego du monde. C'est bon, hein? Eh, bats les pattes. Il est bête, ce docteur. Juste à temps pour mon expérience. Oh oh, un tremblement de terre? Oh, pauvre Molly est malade. Malade, hein? Voyons voir. Oh là, tu as de la fièvre. Il faut prendre un comprimé. Il est plus gros que ma tête. Il faut le prendre. Non, non? Ah ah, je sais. Regarde, Teddy prend le comprimé. Je m'en fiche. Oh non! Teddy est têtu! Je vais devoir lui mettre un tube dans les fesses! Le médicament passe par le tube! Tu veux la même chose? Arrêtez de lui faire peur! Ne t'inquiète pas, Teddy va bien! J'ai une meilleure idée! Des nounours et un scalpel? Je vais couper le nounours et cacher le comprimé à l'intérieur!
Ok, cette astuce devrait fonctionner. Tiens, Molly, un bonbon. Waouh, un nounours! Il est délicieux. Vous voyez, mon astuce est bien mieux. Quelqu'un vient de prendre un bain de boue. C'est de pire en pire. Elle est en train de tacher les draps blancs. Ouais, hop, hop, hop. J'adore sauter. Yeah. Que se passe-t-il ici? Toute cette boue par terre. Oh non, pas le lit. C'est trop. Ce n'est pas bien. On va vous nettoyer, jeune fille. Une brosse sur une perceuse? C'est quoi ça? Viens ici que je te nettoie les pieds. Non, laissez-moi. Viens ici. Calme-toi, vilaine. Il faut nettoyer ses pieds sales. Je te tiens. Hein? Je m'en occupe. Tiens, ces bottines vont te nettoyer les pieds. Je les remplis de Sprite. Puis j'ajoute des Mentos pour une petite explosion de bulles. Ça va juste chatouiller un peu. Waouh, c'est agréable! Vas-y, mets tes pieds sur la serviette pour les sécher. Tout propre! Mais il faut s'occuper de ces tâches. Quel cauchemar! Va falloir te mettre au travail, mon vieux. Oh non, c'était pas un cauchemar! Oh. Vous avez rempli son dossier? Oui, c'est bon. Et vous? Oui, c'est fait. Il a avalé son chewing-gum de travers. Oh non, il a atterri dans les cheveux de Molly. Oh mince, c'est mauvais ça. Ça ne va pas être facile à retirer. Comment je vais faire? Ah ah, je vais lui couper les cheveux. Que faites-vous? Il y est presque. Oh là là, non! Quoi? J'essayais de l'enlever? Ce n'est pas la solution! J'ai une meilleure idée! Comment ce coca va-t-il être utile? Il faut juste tremper le chewing-gum dans le soda et il sera facile à retirer! Regardez! Tada! Facile à enlever! Que se passe-t-il? Oh, oh! Rien! On remplit juste ton dossier! Ok! Phew, c'était moins une! Waouh, du slime! Je le veux! Le rouge me plaît bien. Quelle petite rusée! J'ai trop hâte de le manger! Waouh, tellement gluant! Je parie qu'il a le goût de fraise! Trop bon! C'est mon préféré! Mais normalement, il y en a quatre! Oh non! Tu es vilaine, ça ne se mange pas! Je vais mettre une pancarte autour de ces éprouvettes. Ne pas toucher et ne pas manger. Pas les pattes. Vérifions tes... Pourquoi tu es triste? Je veux manger le slime. Oh, mais ça ne se mange pas. On va fabriquer quelque chose. Il me faut des graines de chia, de l'eau, du colorant alimentaire vert et du sucre. Maintenant, on mélange tout ça. Regarde la consistance gluante. Je t'ai fabriqué du slime qui se mange. Waouh, ça a l'air bon! C'est meilleur que l'autre. Elle recommence! Un bouton? Quelqu'un va se réveiller du mauvais pied. Non! Blerk! Je vais devoir l'éclater. C'est dégoûtant! Heureusement que j'ai une visière de protection. Yo! On va te faire un masque de beauté. Bien sûr, la machine à masque. On va verser de l'aloe vera et de l'eau. Du soda à l'orange? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Presque fini. J'appuie sur le bouton et la machine fait son travail. Je vais ajouter des paillettes et des vermicelles aussi. Il fait un masque ou une friandise? Fini! Mon invention est prête. Je le place sur ton visage. Tu vas être comme neuf dans quelques minutes. On a un problème. Oh mince!
Qu'avez-vous fait? Zut, j'ai échoué. Oh là là, mais qu'est-il arrivé à ton visage? Vous êtes irresponsable, docteur! Ta pauvre peau! Je pense savoir quoi faire. Que va-t-elle faire avec cette feuille de chou? Cette feuille de chou pourrait te servir de masque. Beaucoup plus naturel. Ok, on attend. Prête? Ça a marché! Regarde comme ta peau est douce! Pourquoi fabriquer des masques quand on a des légumes? J'ai souvent mal à la tête. Je suis faim. Oh! Du rouge à lèvres! Je vais essayer! Une seconde. Que fait cette petite fille? Oh, je vais goûter! Un moment, s'il vous plaît! Hé, tu ne peux pas manger de rouge à lèvres! Trouve autre chose pour jouer, comme ces AirPods! Un autre rouge à lèvres? Oh, cet enfant! Ah! Non, tu ne peux pas manger de rouge à lèvres! T'as de la chance, j'ai du chocolat! Je ne veux pas de chocolat! Du chocolat et du rouge à lèvres? Je sais! Le docteur mijote quelque chose d'intéressant. Je vais casser le chocolat en petits morceaux comme ceci. Puis je les verse dans un flacon. Et je les réchauffe. Ils vont fondre en un rien de temps. Oh là là, ça va chauffer! On y est presque. Yes! Je vais remplacer le rouge à lèvres avec le chocolat fondu. On ne verra même pas la différence. Le rouge à lèvres au chocolat est prêt à être mangé. Piou, c'était fatigant. Tiens. Waouh, merci docteur. Je suis jolie. Miam. Et je n'ai plus faim. Quel bon goûter. On dirait qu'il y a une lutte acharnée. Les filles ne veulent pas partager Peppa Pig. Elle est à moi. Qu'est-ce qui est arrivé aux lumières? Maman, c'est si effrayant. Je sais, laisse-moi réfléchir à quelque chose. Pourquoi maman a-t-elle besoin de Peppa Pig? D'abord, il faut que j'enlève un peu de son rembourrage. Ensuite, je vais y mettre des guirlandes électriques. Remettons tout son rembourrage en place. Waouh, Peppa Pig brille de mille feux! Il fait si sombre! Maman, j'ai trop peur! On a besoin d'une lumière. Ah ah! Une idée brillante! Cette jolie lampe change de couleur chaque fois que tu la presses. C'est trop mignon! C'est tellement mou! Nos mamans savent comment rendre la journée d'un enfant agréable. Que fait notre fille riche? Ce filet est tellement rebondissant! J'en veux un! Je veux voir le ballon à l'intérieur. Oh oh! Le ballon s'est envolé! Elle a atterri sur moi! Waouh, elle est si brillante! Donne-la-moi! C'est pas à toi! Oh. Je nettoie juste le bocal à poisson. Hé! Hey, tu peux pas prendre ce qui n'est pas à toi! Oh, pauvre petite chose! Attends, une éponge en maille et des billes? Je sais! Laquelle dois-je choisir? La bille rouge. Il est maintenant temps de faire un peu de bricolage. Découpe un morceau de filet dans l'éponge et place la bille à l'intérieur. Enveloppe-la et assure-toi qu'elle est bien fixée en chauffant le filet avec un lisseur à cheveux. Fais-le aux deux extrémités. Voilà, un jouet en filet avec une bille. C'est exactement ce que je voulais. Merci, maman. C'est tellement rebondissant. J'adore ce jouet. Je suis contente que tu l'aimes. Les filles s'ennuient dans la salle d'attente de l'hôpital. Oh mon Dieu! Ce type a un énorme bouton! J'ai envie de le faire éclater! Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ça! Un bouton! Non, arrête d'essayer de faire éclater mon bouton! Je m'en vais d'ici! Oh oh, les mamans sont en colère! Tu ne dois pas toucher au bouton d'un étranger! Quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose pour toi. C'est un petit homme des cavernes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voici une pince à épiler. Tire sur ses points noirs. Il a besoin de ton aide. Waouh, c'est trop cool! C'est tellement extensible!
Je vais en retirer plus. C'est tellement satisfaisant. Tu as réussi? Waouh, bon travail. Et moi? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de gadget. Laisse-moi regarder dans mon sac. J'ai trouvé quelque chose. Un bâton de colle? Je dois couper le haut du bâton de colle et l'envelopper dans du film plastique. Je vais presser le tout comme de la pâte à modeler. Ma douce fille! Qu'est-ce qu'elle fait? Quand la colle est bien aplatie, mets-la sur une feuille de papier et roule-la. Plie les côtés et fais un trou avec une épingle. Quand tu le presses, la colle sort comme le pus d'un bouton. Presse! C'est pas possible! Ne la regarde pas! Yay! Mon propre éjecteur de boutons! Tu es maintenant une experte en matière d'éruption de boutons. Oh là là! Y a-t-il quelque chose derrière les feuilles? T'entends ça? Pourquoi les feuilles bougent-elles? Allons voir! C'est tellement excitant! On doit toucher! Les épines piquantes ont donné des échardes aux filles! Oh non, tu as des échardes! Maman! Des échardes? C'est une urgence! Je vais appeler de l'aide! Hein? On dirait un hélicoptère! Faites-le descendre lentement, s'il vous plaît! Une trousse de premier secours a été déployée! Enfin, ils ont la pompe que j'avais demandée! C'est parti! Facile, je vais juste pomper toutes tes échardes! Rapide et indolore, n'est-ce pas? Je me sens tellement mieux! Maman, aide-moi! Je sais, j'ai une vieille trousse de premier secours ici! On peut utiliser une seringue! C'est vraiment effrayant! Je peux pas regarder ça! N'aie pas peur! Ce sera rapide et facile! Tu vois? Waouh! Je te l'ai dit, y a aucune raison d'avoir peur! Oh non, il faut appeler le dentiste! S'il vous plaît, venez vite, docteur! Je suis là! Aidez ma fille, s'il vous plaît! Oh, ma chère! Je vois une dent pourrie! On doit l'enlever! Fais en sorte que ce soit indolore! Je donnerai plus d'argent s'il le faut! Pas de problème, commençons! Je vais utiliser une pince à épiler pour extraire la dent! On tire un peu dessus et... c'est parti! Ouais! Ta petite souris va adorer ça! Pourquoi ne pas la mettre dans un pendentif pour la conserver? Mets-la dedans... Et la dent est en sécurité. C'est tellement joli. Je vais garder ma dent en sécurité. Merci, docteur. C'est tellement beau. J'ai mal aux dents. Docteur, vous pouvez nous aider? Il faut d'abord payer. Payer, mais j'ai pas d'argent. Réfléchis. Un arc et des flèches? Je vais enrouler une extrémité de cette ficelle autour de ta dent. Et attacher l'autre extrémité à la flèche. Quand tu tireras, elle arrachera ta dent avec elle. Je pense pas que je puisse faire ça. Tu peux le faire. C'est parti. Ça a marché. Ma dent est partie. Joli coup. Yay, fais-moi voir la dent. La voilà. Faisons un pendentif. Mets la dent dans un moule et remplis-le de colle. Ajoute des paillettes roses et mélange le tout. Ajoute des paillettes vertes pour que ça brille. Le pendentif est terminé. Un bon vieux pendentif en résine. Essaie-le maintenant. Waouh, c'est tellement joli! Je suis une fashionista! N'importe quoi pour ma fille. Waouh, ce slime est tellement gros! Faisons-lui faire un tour, comme un tapis magique! Il s'est transformé en une énorme bulle! Waouh, c'est tellement énorme! Je veux la toucher! Oh là là, explosion de slime! Mes vêtements de marque! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est tellement visqueux et dégoûtant! Il y en a partout sur mes vêtements! Les filles! Qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux? Oh, je sais comment régler ce problème. Majordome! À quoi sert cette nanobande? Je vais construire une forme de tranche de pastèque à l'aide du nanoruban adhésif. Maintenant, je vais mettre du slime rouge et bien le pétrir. On ajoute du slime vert au sommet. Voilà, du slime pastèque! C'est tellement mou! Waouh, j'adore! Je m'amuse beaucoup avec mon nouveau jouet, contrairement à la pauvre fille! Maintenant, je suis jalouse, maman! Je veux un squishy pastèque!
Je n'ai pas l'argent pour en fabriquer. Attends, une vraie pastèque? Il est temps d'improviser. D'abord, je vais couper l'écorce de la pastèque en morceaux et les mettre dans le mixeur. On fait tourner jusqu'à ce que la pastèque se transforme en jus. On prend une passoire et on verse la pastèque. Il nous reste plus que le jus. Ajoute maintenant un peu de gélatine en poudre et mélange le tout. Ça devrait suffire. Laisse congeler et le tour est joué. C'est une gelée de pastèque. Je sais qu'elle est trop grosse, alors on va découper en deux. Ensuite, on coupe en morceaux. Tu vois, tout comme une vraie pastèque. 5 points pour une bonne présentation. Et voilà. Waouh, de la gelée de pastèque. Et en plus, je peux la manger. J'ai à la fois un jouet et un goûter. Quoi? Moi aussi. Aouh, je peux pas la mordre. Ces pauvres filles m'ont encore doublé, hein. Chérie, regarde, je t'ai apporté des ballons. Waouh, mon chiot en peluche pourrait s'en servir comme d'une laisse, non? Reste ici. Mange ta glace. Miam! Oh non, les ballons s'envolent avec le jouet du chiot. Chérie, attends. Mon chiot, il vole. Tout est ta faute, maman. Tu n'aurais jamais dû me donner ces ballons. Je suis désolée, laisse-moi me rattraper. Je sais, je t'achèterai un nouveau jouet chiot. C'est tout ce que j'ai. Cette chaise de la Pat Patrouille, mais il vaut 200 $. Je pense que j'en ai assez. J'aimerais acheter le jouet Chase, s'il vous plaît. Impossible, pas assez d'argent. Je vais le payer. Wow, de l'argent! Chase, c'est à moi. Ça craint d'être toi. Je voulais vraiment ce jouet. Je suis rentrée, regarde ce que j'ai pour toi. C'est Chase de la Pat Patrouille. Je l'adore. C'est mon nouveau meilleur ami. Pourquoi ma fille est-elle triste? Tu veux un jouet chiot, hein? Voyons voir. C'est un vrai chien? Pauvre chiot. Tu aurais besoin d'un relooking. Tu es maintenant un agent de la Pat Patrouille. Tu aimes? C'est le vrai Chase de Pat Patrouille. J'adore! Tu seras un excellent officier, mon pote. Je ne veux pas d'ours en gélatine, c'est trop petit. Trop petit? Pas de problème, j'ai un ourson plus grand. J'en veux pas non plus. Toujours pas? Que dirais-tu d'un ours en gomme extra large? Toujours trop petit. Celui-ci est plus lourd qu'un rocher. Oh, c'est ce que je veux. Donne-moi, donne-moi. Il est tellement gros. C'est délicieux aussi. Je veux un ours en gomme. Qu'est-ce que c'est? Wow, la nourriture. Sors de là. Je sais ce qu'il faut faire. Eh bien, c'est une réserve inépuisable d'oursons en gomme. La pauvre maman se faufile et en prend quelques-uns. Je les ai tous. Je vais les mettre dans un grand bol et verser de l'eau chaude dessus. Ça devrait suffire. Maintenant, on attend que les ours fondent. Regarde ça. Ça commence à être humide. Et il va se transformer en un ours en gomme géant. Démoulons-le. Voilà, un joyeux ourson géant en gomme pour toi. C'est incroyable. Je sais même pas par où commencer. Les oreilles alors. Il est trop mignon. Il a des oreilles savoureuses. Je suis contente que tu aimes. Ça te donne un sentiment de bien-être, non? Dans votre cellule, dépêchez-vous. J'aime pas les lambines. Regardez-moi ça. Quel bazar. Et qui est le monstre qui a utilisé cette toilette en dernier? Des fils électriques dangereux? Oh non, ma fille et moi ne pouvons pas rester ici. Ah, des cafards! Ne t'inquiète pas. S'il vous plaît, laissez-nous partir. On ne peut pas rester ici. Pas mon problème. C'est non. Oh là là, comment vont-elles survivre en prison? Approchez-vous. Remontez votre manche. Ah, oh, ça fait mal. Au suivant. Oh! Au suivant. Ah! C'est à qui? C'est à toi, petite fille. Viens par ici. J'ai peur. Oh non! Sa seringue ressemble à un monstre! Prête? Non! Tu sentiras juste comme une petite piqûre de fourmi. Qu'est-ce qu'il y a? Je déteste les aiguilles! Ça ne va pas aller. Comment la convaincre de se faire vacciner? Oh! Des barrettes en forme de papillon. Je sais! Je vais la mettre sur l'aiguille. Elle ne paraîtra pas si méchante comme ça. Ouah, un papillon!
papillon sur moi. Ça a marché. Vaccination accomplie. Alors, c'était pas si mal. À vous, monsieur l'agent. Moi... Non. Tu vois, tu as plus de courage qu'un policier. Waouh, regardez toutes ces cerises. J'adore ça. Je vais toutes les manger. Rien ne pourra m'arrêter. Oh, elle s'étouffe. Viens ici, Molly. Oh non. Allez, recrache. Et voilà les noyaux de cerises. Wow, des coups de feu. Il pleut des balles. Aux abris. C'est fini. Oh. Ça va mieux. Respire bien fort. Comment faire? Regarde. Une bouteille de coca? Je vais mettre une cerise sur le haut de la bouteille et pousser le noyau à travers à l'aide d'une paille. Et d'un, on continue. Vous ne saviez pas? Je suis une experte. Je pourrais le faire les yeux fermés. Merci, maman. Oh, on dirait que quelqu'un prend un bain de slime. C'est Molly. Elle a un rhume. Hein? Attends que je t'enlève cette morve. Ne t'inquiète pas, j'ai du sirop pour la toux. J'aime pas ça. Je veux ça à la place. Là. Quoi? J'ai trop hâte de goûter à ces candy spray. Oh, ça pique, mais c'est tellement bon. Quoi? Il est vide? Au revoir. Un candy spray? Un vrai trésor, ça. Bingo. Il est vide? Mais j'ai une meilleure idée. Tu veux du candy spray? Oui. Alors ferme les yeux d'abord. D'accord. Je vais échanger le candy spray contre le sirop pour la toux. Et voilà. Miam, c'était bon. Et je suis sûre que tu te sentiras mieux très vite. Concentration. Elles arrivent. Les fraises sont sorties. Phew, quel soulagement. Du papier journal. Je sais pas quoi en faire. Vous êtes si drôle. C'est quoi cette odeur? C'est pas moi. Maman, tu peux venir? Ça sent les œufs pourris. Oh là. C'est toi qui dégage cette odeur? Voyons voir. C'est dégoûtant. Tu n'as pas essuyé tes fesses. Viens ici. Oh là là, quelle odeur. Je sais pas comment m'essuyer. J'arrive pas à réfléchir avec cette odeur. Attends. L'agent est dans les pommes et il y a des ballons là-bas. Je saisis ma chance. Ce n'est pas le moment de faire la fête. Que fait maman avec ses ballons? Je vais t'apprendre à t'essuyer les fesses. Le Nutella va nous servir d'exemple. On va l'étaler entre les ballons. Tu vois? Maintenant, pour l'enlever, tu essuies avec une lingette. Quand tu as fini, tu la plies et tu la jettes. À ton tour. D'accord, j'essaye. J'essuie comme ça. J'ai réussi. Bravo. Fini les mauvaises odeurs maintenant, d'accord? Laissez-nous sortir. Taisez-vous. Attention. Comment osez-vous blesser ma fille? Oh mince. Une urgence. Je vais appeler le médecin. Le voici. Entrez, docteur. On dirait qu'il y a un problème ici. Ne t'inquiète pas, cet appareil de radiographie va nous dire ce qui ne va pas. Oh, ton poignet est cassé. Cassé? Oh non! Ma pauvre petite. Qu'est-ce qu'on va faire? Malheureusement, il va lui falloir un plâtre. Un marteau et un burin? Ne me tapez pas! Ça va aller vite. Tu vois? C'est fini. Ça me gêne. Merci, docteur. Il faut juste qu'elle le porte quelque temps. Quoi? Enlevez-moi ça! Non, Molly, tu vas te faire mal! Je peux pas jouer avec un plâtre! Voyons voir. Le gant de l'infini de Thanos? Je sais! Je vais transformer ton plâtre en gant de l'infini!
Waouh, j'ai des pouvoirs! Je vais me débarrasser de ce docteur! Non! Qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste fait disparaître le méchant docteur! Vous ne devinerez jamais où Molly cache ses réserves de nourriture! Dans les toilettes! Ah, mon burger Pikachu, ça fait tellement longtemps que j'en ai envie! Délicieux! Cette carotte est bien croquante! Quoi? Molly, qu'est-ce que tu manges? Mon burger Pikachu! Encore de la malbouffe! Ça suffit! Désormais, tu mangeras plus de légumes! Super, le médecin est là! Viens avec moi! Docteur, pouvez-vous apprendre à ma fille comment bien manger? Elle ne mange que des saletés! Un dessin de Pikachu? Que mijote le médecin! Regarde ce Pikachu! Il est malade! Et tu sais pourquoi? On va lui ouvrir le ventre pour le révéler! Incision! Il y a beaucoup de liquide toxique! C'est dégoûtant! C'est à cause de la malbouffe! Essuyons ça avant de procéder à l'extraction! Voyons... Pizza... Frites... Burger... Un maxi en plus! Comment a-t-il pu manger tout ça? Je vais les remplacer par du brocoli! De l'eau... Une pomme... Un pansement pour refermer... Et Pikachu est en pleine forme! J'ai bien regardé? Alors mange des légumes! Ça fait vraiment peur! Maman, donne-moi cette carotte! Il faut que je retrouve la forme! Bien joué, ma fille! Je vais me nettoyer le visage! Nom d'un petit bonhomme! Hein? Maman! Que se passe-t-il? Molly! Voyons! Des boutons? Ok, je vais les éclater un par un. Accroche-toi! Aux abris! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dégoûtant? Vous! Que faites-vous? Oups, pardon. Oh, je sais comment te sauver. Un gadget qui va pomper le pus. Je le place sur le bouton et je pompe. Je vais m'abstenir de manger du fromage pendant un bon moment. Mon front est tout doux. Malin, non? Tu es la maman la plus maligne du monde. Je vais rajouter des vermicelles au citron sur ma sucette. J'adore les sucettes WC. Allons-y. Nyam. Oh non, la dent de Molly bouge! Que s'est-il passé? Ta pauvre dent! Il va falloir l'enlever! Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Ah ah! De la ficelle! On va faire ça à l'ancienne! Je mets de la ficelle autour de ta dent et j'attache l'autre bout à la porte. Tu es prête? 1, 2, 3... Monsieur l'agent, au secours! Pam, pam, pam! Quoi? Un appel de détresse? Lorsque l'agent tire sur la porte, la dent de Molly tombe. Mais tirer Molly ne faisait pas partie de la stratégie. Ma dent est toujours là! Un échec monumental. Un pistolet nerf? Je sais comment faire. Ne tirez pas! Les fléchettes nerf sont beaucoup plus rapides. Je vais donc attacher le bout de la ficelle à une fléchette. Tu es prête? Je tire! Ça a marché! Ma dent est tombée! Je peux voir? Super! Tu as été vraiment courageuse, ma chérie. Heureusement que la fléchette est allée dans le mur. Maintenant, il est temps d'appeler la petite souris. Waouh! Molly avait un burger en pâte à modeler. Ça a l'air trop bon! Je me lance! Non! Arrête! Aïe! On ne mange pas ça! Fini les burgers! Tu l'as détruit! C'est pas gentil! Je me sens coupable. Attends que je réfléchisse. Ah! Je vais fabriquer de la pâte à modeler qui se mange. J'ai faim! Quoi? Une pizza en pâte à modeler? Je peux vraiment la manger? Miam! C'est trop bon!
T'en mérites un bout, maman. Tiens. Merci, ma chérie. C'est bon. Oups, j'ai pas fini mes besoins. Des échardes sur le banc. Attention. Maman, aide-moi. Arrête de courir. Montre-moi. Oh là là, une écharde. Docteur, docteur, aidez-nous. Ma fille est blessée. Que puis-je faire pour vous? Ma fille a une écharde. Je déteste les docteurs. Une écharde, vous dites? Il va nous falloir cette pince. Je rentre. Montre-moi où est l'écharde. Non, c'est trop gros. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh! Et votre seringue, docteur? Que fabrique maman? Tourne-toi. Je vais t'enlever cette écharde moi-même. Tu ne sentiras rien quand la seringue fera son travail. J'y suis presque. Elle est sortie. La grande méchante écharde ne te fera plus de mal. J'ai rien senti. Bon, j'ai plus rien à faire ici. Je serai toujours là pour toi, ma chérie. Ce poisson n'est même pas cuit. J'arrive pas à le manger. Maman, j'ai mal aux pieds. Pourquoi? Que se passe-t-il? Voyons voir. Oh non, sa chaussure est trop serrée. Ses pauvres doigts de pied sont tout enflés. Oh non. Je vais souffler dessus pour les soulager. Quoi? Un clown? Bonjour monsieur, je peux avoir ses ballons? Ma pauvre fille est triste et je voudrais la faire sourire. Eh bien, c'est interdit d'être triste. Je vais lui montrer quelques-uns de mes tours. Un ballon en forme de chien devrait la faire sourire. Ça suffit, les tours! Dans ta cellule! Que va faire maman avec ses ballons? Je coupe le bout de ses ballons. Et je les place autour des doigts de pied de Molly. Chacun son ballon. Cela leur fait une protection instantanée. Tu peux remettre ta chaussure. Confortable, non? C'est comme si je marchais sur des nuages! Ouais! Eh bien, elle va courir toute la soirée.